pas grand chose à rajouter à ce que vous avez dit. Et vous remercie encore, toi Brigitte et Claude, de nous accueillir aujourd'hui, d'être de si bons ambassadeurs de la marque Bienvenue à la ferme. Parce que, faut le dire, c'est d'être de si bons ambassadeurs. Combien il y en a des autres, mais ici, la Mexel, comme l'ensemble de nos agriculteurs qui développent cette marque Bienvenue à la ferme. Mais vous êtes un exemple parmi les autres. Donc, merci de nous accueillir. Merci de montrer votre savoir-faire. Merci aussi d'animer, et comme tu l'as dit, je pense que tu as présenté tout ce que vous allez faire ce week-end, donc c'est important, et de montrer que l'agriculture dans les Vosges, on l'a toujours dit, on le dit toujours, dans les Vosges on n'a pas de modèle. L'agriculture, les projets agricoles, du moment qu'il y a un projet agricole, et ici c'est aussi un projet agricole puisque c'est leur produit, du moment qu'il y a des projets agricoles qui font vivre une famille, eh ben, c'est très bien, et qui apportent en plus de la richesse au territoire, c'est extrêmement important. Donc la Chambre d'agriculture, elle est aux côtés de tous ceux qui veulent développer une activité, quelle que soit la production, quelle que soit la taille, quel que soit le territoire. On l'a toujours dit dans la Chambre d'agriculture, n'est-ce pas Bernard? Depuis assez longtemps, on n'a pas de modèle. Et le modèle agricole vosgien, c'est le modèle qui colle à ceux qui développent des activités comme vous, qui avaient pris le risque de développer des activités qui ne sont pas faciles des fois à imaginer et surtout à faire vivre. Donc c'est important aussi de vous mettre à l'honneur et de vous remercier de ce que vous avez fait, parce que forcément il y en a beaucoup qui regardent ce que vous faites pour pouvoir aussi développer dans leur coin autre chose. Donc c'est important, et en tout cas merci de votre accueil, et merci de la qualité de vos produits, et remercier l'ensemble des partenaires et aussi les autres fermiers aubergistes qui sont là avec nous, qui seront aussi au service de tous les consommateurs et tous ceux qui vont vouloir venir à votre rencontre cet été. On a une journée pluvieuse aujourd'hui, mais il faut bien que ça arrive aussi de temps en temps, il en faut un peu. Mais là, à partir de demain, hop, on passe en mode été pour un petit bout de temps. Donc ça va être très bien pour l'activité touristique, et on espère qu'on va avoir un bel été.